session, les mutations favorables expliquent-elles l'évolution? On a vu que la sélection naturelle ne pouvait pas l'expliquer. Est-ce que les mutations vont pouvoir l'expliquer? Ça, c'est la question qu'on va se poser cet après-midi. Oh, on a déjà vu ça. La théorie créationniste, on parle d'une forêt où ce que Dieu a créé des espèces parfaites, ayant dans leur bagage génétique une grande possibilité de varier, donnant naissance à d'autres animaux, mais toujours de la même espèce, et parfois même après avoir perdu de l'information génétique. Il faut se souvenir de ça quand on va parler, on va témoigner notre foi. On croit que les organismes, les animaux ont changé, mais ils vont toujours rester dans la même genre, dans la même espèce. C'est pour ça qu'on appelle ça une forêt, la forêt du créationnisme. Versus la théorie évolutive, hein? Tout ce qui existe vient de la matière, ça doit être expliqué par chance avec le temps. Il y a des lois naturelles qui vont agir sur la matière, mais la théorie évolutive, elle est verticale, puisque les organismes vont acquérir de l'information génétique, mais ils vont aussi faire des sauts d'espèces, d'un crustacé, un poisson, un amphibien, un reptile, qui va donner les oiseaux, les mammifères. Certains mammifères vont décider de retourner dans l'eau avec le temps. Donc, ça, c'est vertical, puis c'est un arbre. L'arbre évolutif versus la forêt créationniste. C'est des images qui peuvent être faciles à garder en tête. On va sauter dans notre sujet, la mutation. Une mutation, c'est un changement au niveau de l'information génétique originale qui peut se transmettre aux générations suivantes. C'est le deuxième mécanisme utilisé par les évolutionnistes pour expliquer leur théorie. Je vais vous le simplifier. Un changement dans l'information génétique, on va prendre le mot « aimer ». Le mot « aimer », c'est l'information. Pour nous, ça a une signification. Si je fais un changement dans ce mot-là, c'est une mutation. Si je change le « i » pour un j'enlève le « i ». J'ai eu une mutation dans mon mot « aimer ». Maintenant, c'est le mot « amer ». Le mot « aimer » a changé un petit peu de sens. Si je fais un autre changement, je mets une lettre à la mauvaise place. Le « i » de « aimer », je vais l'envoyer à la fin de mon mot. Que c'est une mutation que j'ai faite à mon mot « aimer ». Il y a une mutation qui, en passant, existe. C'est des mutations qui existent dans nos propres gènes. Les lettres peuvent changer de place ou peuvent disparaître. Et là, on aurait le mot « amérie ». Amérie, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Le mot aimé a perdu son sens. Si je pourrais remplacer une lettre, le I par un O, à Homer, encore une fois, ça ne voudrait pas dire la même chose du tout. Et où je pourrais l'inverser. Des fois, on a des mutations qui font une inversion génétique. Là, le mot devient Rémia aussi, ça ne veut plus rien dire. Fait que peu importe la mutation que je fais à mon bagage génétique, ça va affecter son sens. C'est important de comprendre ce terme-là. Fait que d'après l'hypothèse évolutive, la survie du plus apte passe par des mutations favorables. C'est-à-dire que mon mot aimé a changé pour devenir quelque chose de mieux. Que c'est favorable. Si c'est pas favorable, la sélection naturelle va le faire disparaître. Fait que faut que ce soit favorable. L'accumulation de ces mutations favorables, nous dit-on, finirait par transformer une espèce en une nouvelle espèce, avec l'apparition de nouvelles fonctions. Maintenant, mon poisson est capable de respirer en dehors de l'eau. C'est une nouvelle fonction que les mutations auraient engendrée. Et on devrait être capable de voir ça dans la nature et l'observer si l'évolution est vraie. Donc, présentement, on ne trouve dans la littérature aucun cas honnêtement documenté d'une mutation favorable qui augmente le bagage génétique. Ça n'existe pas présentement. Au contraire, les mutations connues travaillent dans le sens, contraire que prend la théorie d'évolution, soit en réduisant l'information génétique. Fait que dans toutes les centaines de milliers de mutations qu'on a observées, qu'on a étudiées, il n'y en a pas une qui est favorable et qui augmente le bagage génétique, qui aide à faire avancer l'organisme vers un niveau supérieur, on pourrait dire. Ça n'existe pas. Même toutes les mutations qu'on a étudiées, ils ont affecté soit de façon neutre, on ne voit pas d'effet, ou ils ont fait diminuer l'information génétique sur les organismes vivants. Et on va en voir quelques exemples pour que ce soit facile à comprendre pour les gens. Des gens qui souffrent d'anémie falciforme, où que, si on a des globules rouges, leurs globules rouges ils sont tout déformés. Les globules rouges, en notre sens, c'est ça qui transporte notre oxygène et qui élimine le gaz carbonique pour qu'on puisse être en santé quand on respire. C'est les globules qui passent dans tous nos petits vaisseaux et qui nourrissent toutes nos cellules. Fait que, une mutation dans la chaîne, c'est une chaîne protéine, là, le globule rouge, c'est une chaîne de 146 acides aminés. Là, il y a une mutation ici.
La glucide a été changée pour une ptaline. Ça semble anodin. 1 sur 146, c'est pas si pire, là, il me semble. Mais non, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les globules rouges ressemblent à ça maintenant. C'est plus des veaux ronds. Quand que les globules se promènent dans les petits vaisseaux sanguins et vont irriguer les petits capillaires, mais ils restent pris, ils bloquent les vaisseaux sanguins. Là, on a des problèmes d'aération de nos tissus dans les différents organes. Fait que les gens qui ont ce problème-là, ils ont des crampes musculaires, ils ont des grandes douleurs à cause que les globules ne réussissent pas à bien oxygéner leur corps ou à éliminer le gaz carbonique. La durée de vie des globules rouges aussi est réduite de 10 fois. Fait qu'une globule rouge, habituellement, ça vit quelques mois, mais là, c'est réduit de beaucoup. Fait qu'à chaque quelques jours, il faut que tu renouvelles tes globules rouges parce qu'ils meurent, il faut que ton foie les élimine. Puis ça fait que les gens ils ont une espérance de vie. Mais maintenant, l'espérance de vie est bien parce que c'est traité par des médicaments, mais sinon, l'espérance de vie est grandement réduite des gens qui étaient affectés par ça. Là, c'est une mutation. Est-ce que des gens qui prétendent que c'est favorable, cette mutation-là, aucunement. Personne ne prétend que c'est une mutation favorable, c'est plutôt même défavorable. Ça, c'est un exemple. Et là, on a des exemples qui vont porter à confusion. Puis là, je vais vous en présenter, qui semblent favorables. Et après ça, il faut se mettre en tête, est-ce que c'est une mutation favorable dans le sens qui augmente mon bagage génétique? Est-ce que j'ai acquéri quelque chose de nouveau que je n'avais pas? Il faut garder ça en tête, c'est ça l'évolution. C'est vertical, on va commencer à augmenter. Un de ces exemples-là, c'est que les gens qui sont immunisés contre le sida, ils ne pourront jamais avoir la maladie qu'on connaît, le sida. C'est naturellement à eux. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? C'est qu'ils ont subi une mutation. Ils ont une molécule qui est rendue absente. Ne retenez pas ça, c'est simple, là, mais ça, c'est la molécule qui est absente. Pour vous, si vous me regardez un petit peu, le virus du sida, il s'attaque à nos cellules immunitaires. Fait que lui, il va rentrer à l'intérieur de nos cellules immunitaires qui sont supposées nous protéger contre les différentes maladies, puis il va les détruire. Pour ce faire, il se promène dans notre sang. Le virus se promène dans le sang. Quand il est à sa surface, il y a comme des récepteurs. Quand que le virus rencontre une cellule immunitaire, son récepteur s'accroche après la cellule, puis après ça, il peut rentrer à l'intérieur de la cellule pour la contaminer puis la détruire. Ce petit récepteur-là, il s'accroche à une molécule qui s'appelle justement le CCR5. Fait que si moi j'ai une mutation, j'en ai plus la porte, la poignée de porte. Fait que le virus se promène, puis il cherche des cellules, puis il veut accrocher quelque chose, mais il n'est pas capable. Fait que les gens sont immunisés à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas d'entrée, le virus n'a pas d'entrée pour contaminer les cellules immunitaires. La question que je vais vous poser, est-ce que c'est une mutation qui est un exemple d'évolution? Non, c'est une mutation qui prouve plutôt le contraire. Hein? Ça semble un avantage, mais on a perdu de l'information génétique. La personne qui a cette mutation-là a perdu son petit récepteur sur ses cellules immunitaires. Fait qu'il a perdu de l'information. Est-ce qu'en perdant de l'information, on va évoluer? Non, hein, on perd du bagage génétique, on n'est pas après gagner du bagage si on veut être en processus d'évolution. Et ça, c'est un exemple qui peut être truqué où ce que les gens vous disent, oui, voyez-vous une mutation qui est favorable? Elle semble favorable, oui, favorable pour l'organisme, mais pas dans le sens évolutif. La même chose avec des gens qui sont résistants à la malaria. Ici, on a une personne qui est non résistante. Le gros N, ça veut dire non. Elle n'est pas résistante à la malaria. Ici, on a une personne qui est résistante à la malaria, fait qu'elle a un gène normal et un gène mutant. Fait qu'elle est résistante à la malaria. Une même personne qui a les deux gènes mutants, bien, est anémique. Elle a le problème d'anémie. Fait que ça, c'est l'exemple. Fait qu'ici, on prend un homme et une femme qui sont résistants à la malaria, donc ils ont un gène normal et un gène mutant. Quand ils vont avoir des enfants, ils vont avoir, ça ressemble un peu au pinson, ils vont avoir un enfant sur quatre qui va normal, donc non résistant à la malaria. Un sur deux qui va être comme les parents, qui vont être résistants. Puis un sur quatre qui va avoir une maladie héréditaire qui est l'anémie, puis qui va en souffrir toute sa vie. Un qui va la porter à la mort s'il n'est pas traité. Donc, la question qu'on se pose, certaines personnes sont résistantes à la malaria parce que leurs globules rouges ont subi des mutations. Mais 25% de leurs enfants vont mourir d'anémie. 25% de leurs enfants sont susceptibles de contracter la malaria, donc ils n'auront pas aucun avantage.
Est-ce que globalement, il s'agit d'une mutation favorable ou non? Je pense que non. La réponse est écrite. Non, c'est pas favorable. Fait que ça semble favorable, mais globalement, le coût que ça va prendre pour être favorable est immense. En passant, il y a des gens qui sont même pas exposés à la malaria. Ils vivent dans des places où c'est les insectes qui nous piquent pour transmettre ces maladies-là. Puis pourtant, ils ont développé une résistance. C'était quoi l'avantage qu'il y avait de développer une résistance ou non? Pourquoi ils ont développé cette résistance-là? C'est une question en suspens. Il n'y avait aucun avantage. Il n'y avait pas aucun avantage que la sélection naturelle sélectionne ça. Okay. C'est juste une mutation. D'autres choses qu'on entend. On entend que les bactéries sont rendues de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Puis ça, c'est une preuve que les bactéries ont évolué. Ça, c'est une chose qu'on entend beaucoup. On peut entendre la même chose avec les insecticides. Les insectes sont rendus résistants aux insecticides. Ça, c'est une preuve qu'ils ont évolué. On va regarder ça un petit peu plus proche. Quand on a une infection bactérienne, on va voir notre médecin nous prescrit des antibiotiques. L'antibiotique, il a comme effet d'agir sur le métabolisme de la bactérie, puis bloquer son métabolisme pour qu'elle ne puisse pas survivre. Et ça, c'est la manière que ça fonctionne. Quand on a un antibiotique, on a une dose de cheval d'antibiotiques. En fait, c'est ça qu'on fait. On inonde la bactérie qui n'est plus capable de survivre parce que son métabolisme est bloqué. Par contre, les bactéries qui sont résistantes, est-ce qu'elles ont eu une mutation favorable? Et on va regarder un petit peu le côté génétique de notre bactérie là, qui est après résistante aux antibiotiques. Et ça ne dérange pas qu'on en prenne. Vous pouvez en prendre tant que vous voulez. Ça ne va rien changer dans ma vie. Bien, non, parce que c'est c'est associé à une perte d'information génétique. Puis on n'en gagne pas. Vous voyez? Je vais vous montrer ce qui se passe. Ici, c'est notre bactérie normale. Ça, c'est une bactérie normale. On a un gène qui va avoir un régulateur qui va dire « produit des enzymes ». Ces enzymes-là vont être capables de digérer différentes choses. Puis là, la bactérie, elle va survivre. Quand on donne des antibiotiques, bien, la bactérie, elle n'a pas assez d'enzymes, elle n'est pas capable de combattre les antibiotiques parce qu'on a eu une dose de cheval, puis elle a fini par mourir. Un petit peu ça qui se passe. Certaines bactéries ont une mutation, ils sont résistantes parce qu'elles ont perdu leur régulateur. Fait que maintenant, là, ces bactéries-là, là, ils produisent des enzymes en quantité industrielle, on pourrait dire sans arrêt, ils ont toujours des nouvelles enzymes. Qui proviennent. Fait que même si on leur donne des antibiotiques, on en prend 10 jours, puis 20 jours, puis 42 jours, ça ne va rien changer parce que la bactérie a produit beaucoup d'enzymes qui contrebalancent l'effet des antibiotiques. Est-ce qu'elle a évolué en gagnant quelque chose, cette bactérie-là? Elle a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu son régulateur. À peu près toutes les mutations de résistance aux antibiotiques ou à des la résistance aux insecticides ou ces choses-là, c'est une perte d'une fonction dans l'organisme. C'est ça qui est décrit. Fait que, est-ce que l'exemple de bactéries résistantes aux antibiotiques, c'est un bon exemple de mutation qui parle d'évolution? Pas du tout. Ça, c'est un bœuf bleu blanc de Belgique. C'est wow pour ceux qui aiment le steak comme moi. Ça, c'est beau morceau de viande qu'on peut voir. Il possède le double de masse musculaire qu'un bœuf habituel. Il est vraiment très massif. En passant... Hein? Ça fait du steak à l'aide. Il est vraiment très massif. Il s'est reconnu, par exemple, pour une très bonne viande. Je n'ai jamais mangé. J'ai connu une collègue de travail qui venait de la Belgique, puis eux autres, ils faisaient ça. C'est un bœuf qui, en passant, ne peut pas se reproduire par un autre même. Puis les vaches, quand ils mettent pas, c'est par césarienne. Sinon, le veau aussi, il est démesuré, puis c'est pas capable. Fait que c'est artificiellement maintenu, cette espèce-là. Est-ce qu'on peut penser que la double de masse musculaire, c'est un avantage, ou c'est à cause qu'il y a eu une mutation favorable? Bien, la réponse, c'est non. En fait, le bœuf, il a perdu l'information nécessaire à réguler sa production de cellules musculaires. Fait que lui, il produit des muscles de façon non contrôlée parce qu'il a perdu son régulateur. Fait que, est-ce que c'est un gain d'information? C'est une perte, encore une fois, une perte d'information. Coccinelle. Il y a des coccinelles sans ailes qui vivent très bien sur des îles, entre autres.
ces formes de coccinelles-là, ils ont l'avantage qu'ils sont, quand ils vivent, ils ne sont pas poussés dans l'océan. Parce que ces coccinelles-là, c'est des coccinelles mutantes. Ils ont perdu leur aile. Hein? S'agit-il d'un exemple de mutation favorable? Encore non, hein, parce que le gène codant pour la formation des ailes est rendu inactif, donc ils ont perdu l'information. La coccinelle vit très bien quand même, et c'est pas parce qu'elle a acquis quelque chose par mutation. Sa mutation lui a fait qu'elle n'a plus d'ailes maintenant. Elle a perdu ses ailes. Celle-là est un peu plus pour y réfléchir un petit peu. Il y a 5% des Européens du Nord qui ont des intolérances au lactose. On pourrait même mettre les Américains, les Nord-Américains aussi dans cette catégorie-là. À peu près 5% des Nord-Américains ont une intolérance au lactose. Ça veut dire que 95% des Nord-Américains boivent du lait et n'en ont pas de problème. Ou mangent des fromages et n'ont pas de problème. Par contre, des populations comme en Afrique et en Asie, la portion des gens intolérants, ça va jusqu'à 90%. Des gens où tu ne peux pas leur offrir un verre de lait, là, ils vont avoir différents symptômes, ils n'essayeront pas bien. Selon vous, selon la théorie évolutive, laquelle des deux populations est la mieux adaptée? Ceux qui sont capables de boire du lait ou ceux qui ne sont pas capables de boire du lait? Ben, moi, j'ai important à dire, ceux qui sont capables de boire du lait sont mieux adaptés. Et c'est une poigne. Ouais. En fait, les gens qui sont tolérants au lactose, comme moi, entre autres, je ne sais pas, probablement 95% des gens ici qui sont tolérants au fromage ou boire du lait, mais c'est parce qu'on a un gène qui régularise une enzyme, la lactase, qui était endommagée. Parce que habituellement, dans la croissance d'un enfant, un gène abonné, il s'éteint, il y a un régulateur qui embarque et qui dit « OK, vous n'avez plus besoin de produire de lactase pour digérer le lait. » Fait que c'est nous les mutants. Les gens qui boivent du lait, c'est nous qui sommes mutants, que notre régulation a été coupée. Fait que maintenant, on est capable de digérer le lait même à l'âge adulte. Sinon, habituellement, on ne devrait pas. Selon la théorie évolutive, laquelle les populations semblent mieux adaptées, ça semble ceux qui boivent le lait. Mais oui, mais à quel prix? Hein? Le prix de perdre notre régulateur. On n'a pas évolué. On a perdu l'information. Ça, c'était des exemples qu'on connaît dans la vie courante. Puis là, il y en a plusieurs de ces exemples-là, puis ça arrive toujours au même. Comme ma phrase disait au début, ça fait toujours soit que c'est une mutation est neutre ou nous fait perdre quelque chose. Ça ne nous fait pas gagner. Par contre, il y a des mutations qui font gagner des éléments. Puis ça, c'est des mutations forcées. On a fait en laboratoire des études avec des mouches à fruits où ce qu'ils ont provoqué avec des rayons UV, ils ont provoqué avec des substances chimiques qui faisaient prendre aux mouches pour voir qu'est-ce qui se passerait. Puis là, ils ont provoqué des mutations. Pourquoi les mouches à fruits? Pour étudier ça, c'est parce que les mouches à fruits se reproduisent beaucoup plus rapidement. Puis c'est pas éthique de faire ça sur les humains non plus. C'est pour ça qu'ils provoquent les mutations sur les mouches à la place. Mais combien de ces mutations-là, parce qu'ils ont réussi à faire à peu près 3000 mutations différentes à toutes les étapes, l'abdomen, les ailes, les pattes, la tête des mouches, ils ont réussi à avoir des mutations partout dans le corps de la mouche qu'ils ont provoqué. Combien de ces mutations-là avaient un avantage évolutif pour la mouche à fruits? Ici, on voit une belle mouche avec deux paires d'ailes, elle doit voler deux fois plus vite. Bien, la réponse, c'est zéro. Aucune. Il n'y a eu aucun de ces mutations-là qui a eu un avantage là. Juste l'exemple qu'on voit ici, où on voit deux nouvelles paires d'ailes qui ont apparu sur la mouche provoquées par des mutations. Mais ces ailes-là, il faut qu'elles soient connectées à des muscles pour être capables de bouger. Il faut qu'elles soient aussi reliées à un système nerveux ou quelque chose un peu comme des nerfs qui vont lui dire « OK, on va ». En fait, les ailes sont apparues là, il n'y avait aucune fonction. Fait que tu as une paire d'ailes qui fonctionne puis que des appendices qui ne bougent pas. Fait qu'est-ce que ça l'aide la mouche ou ça nuit à la mouche? Ça nuit à la mouche. Toutes les mutations qu'ils ont provoquées ont toujours, soit qu'ils n'étaient pas fonctionnelles ou étaient des nuisances pour les mouches. Ça, c'est des mutations qu'on a essayé de provoquer sur des organismes simples. On s'entend, c'est pas un organisme complexe dans notre arbre évolutif. On parle d'une mouche. Système de réparation de l'ADN. Je voulais juste prendre un petit temps pour ça. Des mutations là, dans nos cellules, là, il y en arrive entre 5 et 10 000 par jour. Des mutations dans nos cellules. Pourquoi qu'on n'est pas tous mutants, tous bizarres? C'est parce que nos cellules ils ont des systèmes de réparation qui fait qu'ils voient l'erreur et la corrigent. Même, nos cellules ont des mécanismes multiples pour réparer les erreurs dans l'ADN suite à des mutations.
même une bactérie comme E. coli, c'est une bactérie bien normale qu'on trouve dans nos intestins, possède une centaine de gènes actifs pour la réparation de son génome. Fait qu'on part en bas de l'arbre évolutif, là, une bactérie, là. C'est un organisme unicellulaire, il y a juste une cellule. Elle a déjà une centaine de gènes actifs pour réparer son ADN, pour que s'il arrive une mutation, elle va essayer de la corriger ou éliminer le plus possible les effets négatifs de ces mutations-là. Je vais vous montrer un exemple. Comme l'accumulation des mutations est immense, on aurait beaucoup de mutations, ce serait immense si on n'avait pas de système pour les réparer, et que ces mutations ne sont pas favorables. On l'a vu tout à l'heure, hein? Les mutations qu'on a ne sont pas favorables. Sans des mécanismes de réparation, aucun organisme ne pourrait survivre, pas même une bactérie. Le premier organisme unicellulaire qui est arrivé, puis qui avait tout son bagage, puis qui était beau, puis là, a dit « Enfin, je suis capable de me reproduire », mais avec tous les éléments du milieu, les rayons UV, les éléments chimiques qu'il y avait, elle était déjà soumise à des mutations, puis la génération suivante, elle aurait déjà été plus viable, parce que les mutations s'accumulent rapidement, puis s'il n'y a rien pour les réparer, ça devient pas viable. J'ai mis un exemple ici, si vous cherchez cette maladie-là sur Internet, Xeroderma pigmentosum, c'est pas très beau là, les images. J'ai mis une qui était regardable, mais ça l'affecte la peau, c'est que c'est une maladie génétique qui fait qu'on n'a plus de réparation au niveau des cellules de la peau quand ils sont attaqués par les rayons UV de dehors. Les gens qui sont soumis à ça, c'est pire que la lèpre, là, ils sont totalement défigurés. C'est pas très beau. Sinon, il faut qu'ils se promènent avec un genre de scaphandre pour éviter d'avoir des maladies parce qu'ils ne peuvent pas se réparer aux dommages qu'ils reçoivent à leur tissu. Ils n'ont pas le mécanisme. La question est comment la première cellule, sans ce genre de mécanisme, a pu survivre? C'est une bonne question. En partant, ça prenait quelque chose pour s'occuper des mutations, pour les réparer, pour ne pas en laisser trop aller parce que les mutations amènent toujours de la dégénérescence. Et pas une augmentation. J'ai une petite vidéo à vous présenter. Il n'y aura pas de son, mais je pense que c'est sous-titré, puis je vais l'arrêter, je vais vous l'expliquer. Ok, la question est posée, ça c'est un monsieur qui s'appelle Richard Dawkins, c'est un des plus grands athées. Qui est puis un évangéliste de l'athéisme. la question lui a été posée, est-ce que vous pouvez donner un exemple, juste un exemple, de mutation génétique qui aurait été, qui implique, can you give an example of genetic mutation? Ou un processus évolutif? Là, on va voir le reste de la question. Qui semble augmenter l'information dans le génome. Fait que la personne lui a demandé, est-ce que tu as un exemple de mutation ou de processus évolutif là, qui augmente l'information dans le génome? Parce que là, on se souvient, l'arbre, on parle de quelque chose de simple, on le complexifie. Là, la question est posée, on va regarder combien de temps ça va prendre de répondre. Il a demandé de stopper la caméra. Puis là, quand il repasse, je ne vais pas vous présenter ça, vous pouvez le trouver sur YouTube. Là. je ne vais pas le présenter, mais il ne répond pas à la question. Il dit il y a une compréhension pas populaire de l'évolution, puis finalement, il ne répond pas à la question du tout. Ça pourrait être aussi un politicien. Il y a ce don-là. C'est un des grands auteurs athéistes de son temps. Il a écrit plusieurs livres, « Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution, The God, The Illusion, Climbing, Mountain Probable. » Il y a plusieurs titres, puis il fait beaucoup de propagande. Quand cette question-là lui a été posée, il n'y avait pas de réponse. C'est simple, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, puis quand on regarde, parce que là, ça fait plusieurs années, il y a plusieurs gens qui ont dit « Ah, la question a été posée, puis il n'y avait pas de réponse. Voici la réponse qu'il aurait dû donner. » Puis là, des gens qui croient à l'évolution, puis eux aussi, leur réponse, quand on les examine comme il faut, ils n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens dans le sens d'augmentation génétique.
que juste, de juste prendre un petit peu de temps pour vous montrer ça. Si on fait une conclusion au sujet des mutations, les mutations n'augmentent pas l'information, mais elles changent l'information présente et le plus souvent en la réduisant. Donc une mutation, là, ça ne fait pas ce que Darwin avait voulu, augmenter le bagage génétique pour passer d'une espèce à une autre. Et plutôt, ça fait le contraire. Soit que c'est neutre ou ça la réduit, on perd des choses. Aucune vraie mutation n'a encore été documentée. Ça, c'est important. Les cellules possèdent des mécanismes de réparation suite à des mutations. Ça va dans le contresens de la mutation. On veut se protéger de ça. On n'en veut pas des mutations parce que c'est néfaste. Puis l'organisme, les organismes vivants ont été programmés avec des mécanismes de défense contre les mutations. Le fait de perdre constamment de plus en plus d'informations, comme on observe avec la sélection naturelle et les mutations, ce n'est pas un moyen d'en produire plus. Si Pasteur Jean il a décidé qu'il avait une compagnie connexe et il commençait à vendre des balais, puis il achète ses balais 10$, puis là, il les vend 9$. Fait que là, il lui a compté ça à sa femme, il disait « Hey, je les achète 10$, on les vend 9$, on va faire fortune. » Sa femme elle a dit « Ben, je pense, Jean, peu de problèmes mathématiques, on va perdre à chaque fois 1$. Oui, mais un petit peu. Avec le temps, ça va aller mieux. Ouais. On va en vendre beaucoup avec le temps, ça va aller mieux. Mais c'est un petit peu ça, l'évolution. L'évolution dit que ça a pris beaucoup de temps. Puis le temps, c'est comme la pensée magique pour ajouter de l'information génétique pour passer d'une espèce à une autre pour faire des grands sauts évolutifs pour arriver à l'homme aujourd'hui. Mais si les phénomènes qu'on observe, comme la sélection naturelle puis les mutations, ça va toujours dans l'autre sens. Ça va toujours en faisant enlever de l'information génétique en perdant. Soit que c'est neutre ou ça en perd. Même après des millions d'années, on sera pas plus en mesure d'avoir évolué ou avoir gravi notre arbre. On ne sera pas capable. C'est important de ne pas perdre ça de vue quand on parle de mutations. Qu'on soit évolutionniste ou créationniste, il nous est impossible de prouver nos théories sur les origines arrêtées. La raison, c'est qu'on n'était pas là pour le voir, autant eux que nous. Si on interprète les faits observables à la lumière de la Bible, on voit que ça fait beaucoup de sens. Hein. Selon la Bible, la seule personne qui était présente à la création, c'est le Créateur. Mm-hmm. Un jour, dans une argumentation à sens unique, quand que Dieu a commencé à parler à Job, il a arrêté d'argumenter, Dieu a posé « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Et Job, il est assez intelligent pour ne pas répondre. On ne peut pas répondre. Je vais ça passer un petit peu de temps dans la parole. On achève. En Romains 1, ça c'est un des beaux passages qui parle de la création. Romains 1, versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce qu'on peut connaître de Dieu et manifeste pour eux, Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. D'ailleurs, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Ça me fait vraiment penser à notre génération aujourd'hui qui se vante d'être sages, qui ont voulu tasser Dieu, Dieu le Créateur, pourtant la création parlait de son œuvre, pour pouvoir placer l'homme comme le chaînon ultime d'un processus évolutif et qui ont complètement écarté Dieu. Dans le psaume 19, on prend la peine de lire ces beaux passages. Le psalmiste dans le psaume 19, versets 1 à 5. Au chef des chants, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce ne sont pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent va aux extrémités du monde.
nous l'a adressé une tente pour le soleil. La création parle. C'est pas un langage qui nous est étranger. On est capable de le voir, de le percevoir, de l'entendre. Ça, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dans Isaïe 45, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Isaïe qui a